beau parce que des averses au loin, mais c'est pas trop de choix. C'est déjà une semaine que je l'ai, impossible de rouler avec. Juste rouler un peu en off-road, là je réglais la suspension, tout ça. J'ai plus qu'à tester comme il faut le tarot. Donc on va tester ça juste après et puis voilà. Franchement, vous n'allez pas être déçu. Que certains disent ouais bigote, mais ils ont vraiment bien amélioré la roue, tout en métal. Suspension, rien à dire, vous verrez tout par vous-même. J'ai mis en soft, donc vraiment le plus poussé. En formation, je suis 63 kg, 64. Et plus les habits, voilà. Et la roue, bah, quasi 50 kg. Donc voilà, et on ride. Voilà, un peu sale parce que j'ai fait du off-road avec un peu, mais bon. Et là, il commence déjà à pleuvoir, casse les couilles. Donc, je fais pas le tour du lac aujourd'hui, je vais aller vers chez moi, je pense. On habite à 20 km, mais vu ce qu'il se ramène là. Franchement, terrible. Un feu qu'on voit super bien, bon elle est sale lui, mais bon franchement off-road a donné super bien. En fait le système d'amortisseur ils ont tout changé. Ils ont mis une plus grosse cartouche. Merde, caméra. Et toute la triangulation est différente aussi. Et on joue vraiment sur la longueur du vérin. J'ai pas comme la Master, parce qu'il y avait que 2 cm, voire 3 qui y allaient. Là c'est vraiment toute la course. Et en souplesse on est vraiment autre chose. Je vous montrerai la vidéo que j'ai faite dans la maison. Après. La première d'Europe, finish. Ok, regardez ça. Oh, le pédale, c'est pas fort, ouais. Mais bon, nickel. C'est de l'eau.